Ah, le sage, est-ce que tu as golf with your friends? Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Plutôt si tu veux changer de jeu. Bah non, puisque ça éliminerait notre copain Twinsen. C'est moche. Oui. Ah oui, ok. Ah bah. Et ça élimine aussi le copain AJ. En plus. Pourquoi? Ah merde, j'ai pas mis la bonne sortie vidéo. Je me disais, mais pourquoi vous avez pas de signal? Je coupe le jeu. Bon de la salle, LSDM. Oh, ça me choque toujours le nom de LSDM. Ça m'empêche d'y penser. Je lance un mauvais jeu. Je suis Love Galore. Mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus. Golf with your friends, il est encore plus poussé comme un jeu de golf. J'ai fait un parcours entier, c'était poussé capi. Des fois même c'était capillotracté. Hein. C'était bien. Voilà, lui. J'arrive sur la partie. Le pas, c'est toujours le même. On va commencer par Steampunk, pourquoi? Parce qu'il est mal géré par Twinsen, et ça lui laisse le temps de démarrer sa bécane tout doucement, il nous rejoindra pour le suivant. Est-ce qu'on a balancé un MP au petit? Oui, tu peux, c'est très gentil pour l'inviter à nous rejoindre, en espérant qu'il soit encore en état de jouer, puisqu'apparemment il avait rechopé une cochonnerie. Ah mince. Ouais, il sentait pas bien tout à l'heure. L'embêter alors. Comme tu veux. Non, pourquoi je vais. Ah, je crois que je vais mettre en plusieurs. Comme ça, j'ai l'impression. On sent. Ah, c'est tout. C'est quoi que t'as comme coiffe? C'est un truc ninja, non? Ouais, un bandana. C'est rigolo. Here we go low. Bon, je vais faire le tour. Tu renonces? Non, je renonce pas. Non, oh oui, c'était presque bon. Plouf. Ah, et voilà, en combien de coups? En 7 coups, dis donc. Alors, dans Golf with Your Friends, j'ai remarqué qu'il y avait un nombre limite de coups et que tu faisais éliminer du parcours si jamais tu plantais. Ça fait partie de paramètres. Les deux jeux de golf proposent des paramètres. Oui, il y avait plein de paramètres, j'ai pris une partie standard. Ding, ding. Ah, c'est joli le son quand on tombe dans le vert. Bonjour, bonsoir. Fun fan. Là, il y a le mec qui est là, il y a le VIP, il y a le streamer, il manque plus que le modérateur. C'est ça. Il manque plus qu'une personne lambda qui n'est rien du tout. Et donc, on est un quatuor magique. Puisqu'il faut aller. Les 4 chevaliers de l'apocalypse. Non, faut pas exagérer. Je suis même pas qui c'est. J'ai pas compris où il faut aller. Entre les rouages. Ah oui. J'y étais pas malade, il aurait pu jouer avec vous. Ouais, malheureusement. Ah voilà quelqu'un. Voilà. C'est une salle. Ouais. Coucou Twinsen. Voilà, le troll est arrivé. Ouais, je vais prendre une mise à jour Windows. Oh putain, c'est pas gagné encore. Ouais, je trouve que c'est relou en plus, il direct des OBS. Oh, pour aller où? Ah, pour aller là. Et le sage, quand tu fais des mises à jour Windows ou Linux, s'il y en a, je sais pas, est-ce que ça dérègle ton OBS ou c'est que à moi ça? Et coucou Régis. Alors, dérégler mon OBS, c'est un bien grand mot. Foutre le merdier dans la balance des sons au volume, oui, ça m'est déjà arrivé dans une mise à jour de Windows 10. Mais c'est bizarre, que Windows 10 nous dérègle l'OBS.
Parce que les sons d'OBS peuvent être liés au son de Windows. Quand tu bouges le son dans OBS, ça peut bouger le son de Windows. Si c'est pas des, c'est des barrettes séparées, c'est sûr que ça va modifier tout. Oui, mais si par exemple c'est une mise à jour de sécurité, ça n'a rien à voir avec OBS. Quoi. Bah, en fait, ils réinitialisent le volume à 50% ou je sais pas, 25%, et puis c'est comme ça. Quoi. Ah, moi, c'est pire, ça me perd carrément les périphériques. On a vu ça avec Winsen. Vous savez plus. En fait, ça remet tout par défaut, c'est écrit par défaut, il y avait tout le monde qu'on avait affecté avant. D'accord. Ouais. C'est fou. D'accord. Bon, du coup, les barres graphes dans OBS, ça ne bougeait plus du tout. Il fallait réaffecter les différents pieds à taille dans OBS avec les différents pieds et tout. D'accord. Bon, rien de très grave quand on s'y connaît, mais pour 5-5, c'est un drame. Ah bah oui. C'est pire que si j'ai rencontré Dr. Boop. Ouais. Oh zut, j'ai pas laissé assez de puissance. Oh non, t'es parti en relais. Que si tu rencontrais Carole. Ça va pas quoi dire. Mais je l'ai déjà rencontré, Carole, je savais pas lui dire. Ouais, bonjour, au revoir. Non, même pas. J'ai vu tout ça, hein. Ouais, j'ai une fun, j'ai une chaîne Twitch, aussi, j'ai un Twitter, j'ai aussi. Oh, je lui ai dit que j'étais la team sud, hein. Ouais, et elle s'en fout, hein. Elle a dit que c'est cool parce qu'elle est de Marseille. Et alors, Ayam aussi de Marseille, Ayam. Non, toi tu es du Nord, quoi. Non, mais Ayam. Ah ouais, mais Ayam, ils sont cool, Ayam. Bon, j'ai presque réussi, mais. Même s'ils sont cool, j'ai dans ce milieu, mais Akhenaton, c'est vraiment en rencontrer. Mais je sais pas ce que je pourrais lui dire, Akhenaton et Carole, j'ai plus de conversation avec elle. Et il y avait Dilocine, il est témoin que j'ai parlé avec elle, de toute façon. Le pendule. Ah, le pendule. Qu'est-ce qui nous fait le pendule, là? Ah, il est pendu. Tic-tac, tic-tac. Non, pas ressortir. Pas bien. T'as mieux faire. T'as mieux faire. Ah bah, tu le sais, elle a démarré sa boutique. Comment ça, ma boutique? Oh non, je suis tombé comme une crotte. Mais, je te le dis, le sage, j'ai des sources. Docteur Boutique, bientôt, il va ouvrir Téléboutique. La chaîne du téléachat. Ah, il a un grand plot, le sage. Il a des actions partout, hein, Docteur Boutique. Boutique. Même sur YouTube, il a des actions, c'est pour dire. Moi, je sais pas plus. Oh, bien, en un coup. Ah non, trois coups, en plus, je raconte. J'ai loupé mon coup. Bon, allez, par où la fête. Donc, c'est pour Nayoné, il a des actions dans des casinos et des camionneaux. Et des camionneuses. Mais je disais ça, qu'il y a de plus en plus de femmes qui épousent ce métier. C'est très bien. Non, je suis tombé comme une crotte. Non, c'est dégueulasse. Comme de plus en plus d'hommes se mettent à la belote. Non, à la pelote, pardon. Oh non, oui, à la... Oui, aux arts textiles. Hein, sinon, on va faire la nourrice aussi, mais il y a beaucoup de gens qui font nourrice aussi, des gens qui font ça, ça. Un jour, on va les appeler. Voilà, j'ai réussi. Les sages hommes de Nancy, c'est comme ça qu'on va les appeler. Alors, c'est une mauvaise dénomination. En fait, t'es obligé de dire qu'un homme est une sage-femme. Parce qu'en fait, dans la terminologie, ça signifie connaître le corps de la femme. Donc, si tu dis un sage-homme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le corps de l'homme. Comme Dragon Sky. Bravo. Oui, voilà, ça c'est fait. Oh non, j'ai fait une propulsion trop élevée. Il connaît bien Dragon Sky. Il parle tout le temps de banane. Oui, j'ai réussi ou pas? Ah. Oh. Oh. Oh là là, tu te transcendes, Nayonel. Je te transcende en 1000 morceaux. Mais non. Bah, la semaine, il joue pas, donc il est très doué, du coup, il est prêt. Je joue tous les jours, matin, midi, soir. Moi, ouais, je joue tous les jours. Ouais. Bah, je stream tous les jours, moi. Matin, midi, soir, non. Ah, oui. Bon, à part pendant mes streams, tu sais, je joue pas beaucoup. Hein. D'accord, pas du tout. J'ai pas le temps, il faut bien pouvoir des vidéos sur YouTube. Hein. Ah ouais, super. C'est trop bien. Les gars, tu penses que, est-ce que tu as une pensée quand même à ceux qui sont à l'école, qui se lèvent de bonne heure, qui vont au travail, etc., qui vont des devoirs, etc. Tu penses à tous ces gens-là?
Et toi, t'es chez toi, tranquille, à dormir, à jouer, à manger, à être blanchi. Tu penses à tout ça? Non. Bah oui. Y a pas un petit peu d'injustice quand même? Oh, c'est leur vie, chacun fait la vie qu'il veut. Hein. Ouais. Après, ça veut pas dire que tout le monde que tu vois ici a un travail, certains ne le disent pas. Hein. Tu dis ça, je dis rien. Et où va à l'école, hein? Parce qu'on en sait, Edgy dit qu'il va à l'école. Je prends. Non, Edgy, je suppose que c'est vrai, mais il y en a, je suis sûr que c'est pas tout le monde vrai. Faut faire attention, hein, tant que tu connais pas la vie à 100% d'une personne, on peut pas juger. Mmh. Ouh, j'ai réussi. Mais bah oui, c'est. Enfin voilà quoi. Enfin, c'est un problème. Mmh. À l'âge de sa vie, à quoi on étage la vie des autres, c'est pas très. Ouh, j'ai failli un coup de maître. Oh, t'es passé direct. Presque. Pourquoi ils sont pas désynchronisés ces trucs? Ce serait marrant que ça désynchronisé. Ah, dommage. J'ai presque pas de maître. Presque. Mais pourquoi il y a plusieurs. Attends. T'as le choix. C'est quoi l'embrouille? L'embrouille, ah ouais, c'est que t'as un 9 arrivé possible. D'accord, pas l'embrouille. Donc je vais faire 100% juste pour le délire. Et c'est trop. Ah non, c'est bien. 100%, ça a payé sur celui du bout. Eric me dit bravo. Ah, tu t'entends. Ah, j'ai pas fait assez fort. J'étais trop timoré. Timoré. Mmh. Et là, on peut le mettre d'un seul coup. Oh, il s'y râle. Oui. Passons. Aujourd'hui, vu comment le monde est compliqué, les gens ils deviennent de plus en plus fous, ils se bousillent de plus en plus le dos et compagnie. Pourquoi? Pour avoir une retraite qui est des clopinettes. Donc bon, je vois pas l'intérêt, autant vivre sans rien, au moins c'est mieux. Donc bon, c'est bon, il faut essayer de t'élever dans la hiérarchie pour écraser les gens, pour machin, bidule, c'est pas ma philosophie, tu vois. Je trouve que chacun voit comme il est, il faut être assez requin et méchant pour arriver à réussir dans ces mondes-là. Nous changeons de sujet, de toute façon, c'est des sujets qui sont normalement pas. On ne doit pas parler dans les règles, c'est vrai. Ah, d'accord, faut aller à gauche. Non, faut même aller tout droit. Ah merde, je suis entré dans les dents du rouage. Bon, je vais passer de l'autre côté du cercle, je vais passer à droite. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si Lyonnais tu pourras réfléchir à la question, mais je tente. Hein. Et je vais quand même t'aider pour pas te laisser. Qu'est-ce qu'il faudrait moderniser pour que Age of Mythology soit potable? Je dis pas un grand truc. Oh là là. Je dirais que il faudrait qu'il soit c'est aussi bien rodé que le Age of Empire 4 là, il est très bien au niveau de la fluide quoi. Comme le 4, ça, c'est quand même il est jouable, hein. Il est beaucoup plus jouable que le. Il est beaucoup plus réactif que le 2. Voilà, donc il faudrait qu'ils mettent le price sliding, comme ça. Et des graphismes simples, pas besoin de des graphismes très lourds et qu'ils soient fluides, quoi, même sur un vieux PC. Pas comme Age of Empires 3 où ça rame, et que sur Age 4, il y a 8 personnes, ça va, quoi. Ah. Déjà, comme ce sera un remaster, il sera. Que les définitives éditions, c'est des remasters ou des remasters plus. Il sera dans la même veine que les définitives éditions. Faut pas espérer. Bah, parce que. C'est un jeu inédit, tu vois. Donc... Oui, oui, c'est vrai, c'est inédit, mais ils ont écouté un peu le... C'est des bêta testeurs. Moi, terminé. Moi personnellement, déjà, j'aimerais que, en termes de gameplay, que le jeu soit rééquilibré. Alors, je sais pas comment on fait avec les Chinois, donc pour moi, ils sont un peu. On va dire. Donc, je vais parler de ce que je connais, donc je me limite à The Titan. Tu vois. Déjà, il faudrait que les pouvoirs ce soient. Je vois pas pourquoi il y aurait que les Atlantéens qui auraient le droit de réutiliser 1000 fois leur pouvoir et les autres qu'une seule fois. Oui. Ça serait déjà bien que ça se rééquilibre au niveau des pouvoirs. Pareil, au niveau des gameplay, ils peuvent soigner leurs créatures, ils peuvent soigner leurs titans, ils peuvent même soigner leurs bâtiments avec Galia.
faudrait que tout ça soit un peu moins, qu'il soit un peu moins fort ou les autres un peu plus forts parce que. Twin Sen, tu peux nous rejoindre ou pas? Oui. Non, pas encore. Je suis encore dans ma mise à jour là. D'accord. J'attends que tu dises que t'es prêt pour t'attendre. Je passe. Ok. Donc, vous pouvez continuer tranquillement. En termes de graphisme, oui, il faut au moins que ce soit aussi joli qu'Empire 2 ou Empire 3, je demande pas un truc de la mort qui tue, bien sûr, mais voilà. Et en termes de gameplay pur, oui, ça serait bien qu'il y ait des automatismes à la Empire 2 parce qu'il y a des trucs. Dommage. C'est un peu lent, quoi. Automatismes à l'Empire 4, tous les automatismes. Et je trouve que Age of Empire 4 est beaucoup plus automatisé que le. Ouais, mais. Je veux dire, ça sera Age of Mythology. Tu peux pas faire du Age of Mythology en Pierre 4, quoi. C'est pas possible. Tu peux t'en rapprocher, mais je pense pas qu'ils vont. Il faut quand même qu'ils gardent l'âme du jeu original. En termes de. Ouais. Oui, mais voilà, mais si ça sera pas dénaturé d'améliorer le comportement global des unités comme dans Age 4, ça, ça va pas dénaturer du tout. Ça va au contraire, ça va le rendre que encore plus jouable, beaucoup plus réactif et plus nerveux. Et... Ouais, mais... Après, c'était un des meilleurs réussis au niveau du Passadic. C'est vrai qu'il était, il y a eu beaucoup de brutalité dans le Passadic, mais moi j'aimais bien celui de Touch Speed déjà, c'est logique. Ouais, mais après, il faut pas oublier que c'est pas la même vue, tu vois. On a une vue de hauteur alors que l'autre, t'as une vue qui est dans les arbres. Mais je pense pas que ce sera possible. C'est pas le même point de vue aussi. Mais pourquoi pas? Après, il y avait déjà des trucs qui étaient bien améliorés par rapport au Empire Bleu d'origine. Quoi. Je sais plus si... Oui, il est sorti après Empire Bleu pas. Ah oui, le sage, bravo. Déjà les fermes, les machins, les poissons. Et j'aimerais bien que pour les campagnes, bon, qu'ils fassent comme Empire 2, c'est-à-dire que toutes les campagnes, même les campagnes additionnelles qui les rajoutent, qu'il fallait télécharger comme le cadeau de je sais plus qui là. Bah, tout est inclus quand t'as le jeu déjà sur la version Eden Seed Edition qui est sur Steam, ils ont déjà fait beaucoup d'améliorations, quelques améliorations, et surtout au niveau graphique et surtout au niveau les campagnes, il y a comme les. Oui, les campagnes, oui. La campagne de cadeau, de toute façon elle est disponible gratuitement encore sur le net, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Regarde où je suis atterri, le sage. Oui, oui, mais ça serait bien que cette campagne soit dans une édition. On n'est pas à la télécharger. C'était le cadeau des deux petits, là, je sais plus, des deux personnes de petite taille. Là. Oui, des deux, Etri et. Les Scandinaves. Là, t'es toujours pas arrivé dans les petits trucs. Le sage. Soupir. Voilà, c'est tout ce que j'ai déclaré. Il y aura sûrement la campagne des Chinois, parce que je pense que les Chinois, Microsoft les a reconnus comme officiels, donc ils seront. Et après, peut-être qu'avec le temps, ils font comme les autres, on va rajouter des mythologies à droite et à gauche. Je sais pas, moi. Mythologie des Sioux. Ouais. Ah, je suis tombé. Mythologie Twin Sen. Ils ont des belles croyances, les Indiens d'Amérique. Pourquoi pas? Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'ils puissent rajouter le nombre de joueurs qu'on puisse faire. C'est-à-dire, c'est pas assez, je trouve. C'est vrai qu'on puisse rajouter plus. On peut jouer à 12 déjà avec Mythologie. On joue à 12 humains. Ah ouais? Oui, on peut jouer à 12. Je crois c'est que j'ai déjà fait des parties à 12. Oui, mais non, mais je te crois, c'est pas dans ce sens-là. J'essaye de me dire avec l'IA, est-ce que j'en ai 12. Oui, je crois bien. Attends, il y avait 3 du Égyptien, 3 du Chinois, 3 du Atlantéen. Ouais, on pouvait déjà en faire 12 déjà dans cette base. Ça, c'est très cool. Pas les civilisations, mais le fait de jouer avec 12 joueurs en une partie. Hein, c'est ce que je dis, bon. Oui, mais j'avais une partie avec 11 IA aussi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça doit pas changer. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 15, quoi, déjà. C'est bien. Ah bah, j'ai fait comme le sage, mais ça n'a pas marché. Enfin, j'ai essayé de faire comme le sage, mais ça n'a pas marché. Non, là où je voudrais qu'ils en rajoutent, c'est dans Pierre 3. Quoi. Ouais. Mais ça, en fait. Je suis bon en moi. Oh bah ça c'est une blague.
Mais j'avoue que je suis tout fou. Hein. Depuis qu'il y a eu une définition du 1, du 2, j'attends la définition du 3 chez Aïk. Pardon, la définition du 3 chez Aïk. Merci Régis de dire que je suis fou. Merci. Génial parce que j'étais en train de m'exposer. Mais j'aimerais, moi, j'attends. Là, bon, le thriller qu'on a vu, voilà, juste qu'ils ont remontré la cinématique, mais. Bon. Peut-être rendre la campagne des titans un peu plus longue, parce qu'elle est plus courte, très courte. Ne présenter qu'une seule civilisation, peut-être essayer de faire en sorte, tu vois, que la chute du trident et celle d'Asher Mythologie soient une seule et même campagne, tu vois. C'est possible, hein, chronologiquement et tout. Et que tu puisses pas les faire à part. Ah bah c'est beau ce que je fais là. Oh, c'est lamentable. Je suis honteusement lamentable aussi. Ah bah là c'est bon par contre. Mais je vous laisse. Ouais. Je vais vous laisser une costume quand ça soit bon. Hein. Ouais. Ouais. Vous aimez roi, c'est bon. D'ailleurs, tu es allé jusqu'à où? Jusqu'à la campagne d'agence mythologique, tu arrives à la faire entière? Moi je l'ai fait en entier. J'ai fait en entier les deux campagnes. Mais pas les campagnes de des tri cadeaux d'or, ça n'a pas intérêt. Non, je parle les deux originales. Oui, j'ai fait tout en entier. Hein. Sans code? Avec le en mode modéré, ouais, bah, c'est pas compliqué. En mode modéré en plus? Bah, mode modéré, c'est tranquille. C'est mode facile, t'attaques avec un soldat, modéré, t'attaques une quinzaine. Bah, moi, figure-toi que la partie grecque, oui, j'y suis arrivé. La partie égyptienne, sans code, jusqu'à l'épisode où il faut donner les clés du gardien, j'y suis jamais arrivé quasiment. Alors, une seule fois, un matin, parce que je me suis levé tôt, j'y suis arrivé, mais je suis arrivé aux deux niveaux suivants, mais après, bah, j'ai... Bon, voilà le truc. Ah, il faut y aller quand... Oh, c'est pas vrai. On s'y fait le coup. Et ce serait bien aussi qu'il y ait un mode top dans la campagne d'Asher Mythologie. Ça pourrait le faire, hein, une campagne cop. En plus, vu que les héros machin que tu vois ensemble. Oui. Par exemple, tu prends le tout premier niveau, t'as une partie où t'as des villageois et quelques machins soldats. Et de l'autre côté, t'as que des casernes. Donc, déjà, tu t'en en deux pour des joueurs. Elle est très faisable en cop. Hein. Il n'y aurait pas grand chose à modifier, je pense. Pareil, le niveau, tu sais, où il faut le premier niveau où on rencontre Gargaren 6, tu sais. Il y a d'un côté Ulysse et Arcanthos, et de l'autre, t'as Ajax. Et le but est de démolir ses forteresses parce qu'il est en train d'envoyer des villageois pour. Comment ça s'appelle? Qui ont des pelles là pour ouvrir le Tartare. Cette campagne, elle pourrait être faite encore. Avec la fameuse cinématique de Titan qui s'enfonce dans les. Dans la terre. Il y a qui, hop là, qui l'enterre. Ouais, je pense que tu as raison, ça va bientôt faire un an qu'ils n'ont plus rien rajouté de campagne en cop. Pour en tier 2, je pense que ça n'a pas autant de succès que ça, sinon on aurait raté plus. Ouais. Que là, depuis janvier, il n'y a plus de vraies nouvelles campagnes, à part l'extension des Indiens, mais je compte pas, tu vois. Allez, un petit dernier parcours. Un arbre qui m'attend de nouveau tout. Est-ce que Witzel a pu débarrasser son ordi? Ah non, il a quitté. Ah, il a dit, je reviens quand mon ordi sera prêt, il a dit. Laboratoire. J'aime bien la musique. La musique, elle est extra. Je me suis régalé les oreilles hier soir quand j'ai découvert le groupe. Il y a des musiques de jeux vidéo qui sont vraiment géniales. Hein. Il y en a beaucoup. Mmh. Que c'est. Comme les musiques de films, c'est agréable à écouter. Mmh. C'est pour ça qu'on en fait des concerts. La rythmique de... Bah, les concerts de musique de jeux vidéo, j'aimerais bien qu'il y en ait un à Nancy. Quoi. Ouais, ce serait sympa, à l'Opéra de Lorraine. C'est vraiment, vraiment génial. Un vrai orchestre, ouais, orchestre électronique. Mmh.
Et boum, je suis fait lamer. Je me suis fait complètement lamer. Lamer hein, dans Age of Empires, ça veut dire que le mec en face, quand tu te fais lamer, il te fait une tactique imparable et que tu ne peux plus t'en sortir. Laminé, ouais. Bah, lamé, c'est direct, je crois que c'est rapide. Oh mais non mais c'est une blague là. Ah un coup de plus j'ai par rapport au sage. Ah bah toi aussi c'était une blague. Eh on entend le chat qui est sur la musique. Ah, il est laser, les lasers de la mort. Ah bon, c'est piégé. Ah non, pas toi. C'est dégueulasse ce qui vient de m'arriver. Ah, j'ai pas vu. Tu verras au ralenti, va. Ah oui, oh la vache. C'est nul. T'es sur la tranche. C'est ça. On y va pleine balle. Pas pleine balle, fallait gagner un peu moins vite. Et là, je vais faire en deux coups. Ah, oh, tu en joli. Bon, là, il faut y aller à fond les ballons, je crois. Avec un peu de chance. Le Age of Mythology définitive édition qui sortirait l'année prochaine pour marquer les 20 ans de Blue Kitten qui est sorti, ce serait cool. Ouais. Bah, des remasters. Après moi j'aime bien le jeu, hein. des remasters ceci, des remasters cela. Ouais mais là je te dirais que comme ils ont déjà fait les trois premiers, ils ont fait ensuite un quatrième. Oh bah dis donc, le sage et moi on s'est fait laminer. Pour moi, je ne vois pas pourquoi ces deux derniers ne seraient les plus vilains petits canards qui se mettent à... Voilà. C'est quand même tombé dans le truc, le cage. Par contre, alors même si Microsoft, ils ont des gros moyens... alors, Age of Empires 1, il est abandonné. Clairement, il a plus de mise à jour depuis 2-3 ans, donc lui, il est... Oui, non, mais il est enterré, celui-là. Il est trop... Ils n'ont pas vraiment fait de gros paris là-dessus, quoi. Donc, ils auraient le 2, le 3... Empire 4 et Age of Mythology en même temps à faire à mettre à jour, ça va leur faire beaucoup de taf, hein, mon mec. Ah, un message de. Alors là, il faut y aller à la porte. On en refait. Mais ouais, ça leur ferait beaucoup de boulot quand même. 4 jeux à. Ouais, c'est violent. Ah bah. On va y aller en éclair. S'ils ont des ambitions pour Age of Mythology, peut-être qu'ils vont juste se limiter à. Mais moi je préfère Azure Mythology aux Empires. Plus moderne, les pouvoirs, les machins, il y a des mécaniques de gameplay. 31 chacun. Bon, je crois que ça va être rappel pour moi, je suis toujours en mise à jour, mais dès le plus d'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pas trop. Alors, Aegis, tu me grattes le cou, tu me chatouilles. Déjà, il me chatouille là. Oh mon dieu, je suis tombé dans un piège. Oh, je suis allé au bon endroit. Non. Oh merde. Pareil, le sage. Oh mon dieu. J'arrive de là. C'est bon, on a trouvé le. Hop, t'as trouvé le trou. Hop là, dans le trou. Ah, deux coups de moins. Ah, le sage, tu me bats. J'ai cette rivalité, je ne peux pas. Alors, ballons. Tu joues très bien, Nayonet. Détrompe-toi. Bah oui, mais je joue vraiment sans calculer mes coups. Hein. Enfin, très peu. Très bien, puis ouais, tu démerdes mieux. T'as plus de points. T'as plus de dextérité, moins. Inutilise Cham Golf qui nous donne tous les coups à faire au meilleur moment. Cham Golf. Ouais. Oh, c'est dommage. Les programmeurs. Oh, par exemple, j'ai
une estimation. Alors, je te propose un truc, mon cher Nayonet. Comme on joue qu'en duel, et pour changer les habitudes des spectateurs, on va basculer après sur Golf with Your Friend, puisqu'on a la chance de l'avoir. On va se faire plusieurs parcours dans ce jeu-là, et éventuellement, en fonction de l'horaire, on reviendra sur celui-là, dans l'espoir que Twin Sen nous rejoigne. Alors, on peut, tu veux avorter le parcours ? Non. On le termine, on y est presque. Oh, le salopard, il m'a fait tomber. Le jeu s'est payé de ma tête. Oh là là, t'as mis avant, je suis dégoûté. Je vais mettre... Oh non, encore. Oh, c'est dommage. Ce que j'aime bien, c'est le son dans le jeu Lego World. Il est vraiment cool quand t'es près d'une enceinte de concert. Ça fait un super son, je trouve. Mmh. Ouais, écoute, c'est vraiment génial. Je pense que tu vas kiffer. En fait. Là, comme ça, agiter le bras en tournant le bras au-dessus, en faisant pas du visage, ouais, sur les mouvements de tête au bas. Bah, peut-être pour Noël, si j'arrive à me dégager des congés entre Noël et Nouvel An. Théoriquement, oui. Je dis bien théoriquement. Là, j'ai aucune certitude. On se fera peut-être une après-midi Lego World entre nous trois. Ouais. Tu as pété ton câble, non ? C'est pas possible sur la chaîne du sage. Non. On va péter son câble. C'est ça. Tu vas me dire, Régis. Bonjour, Nashman. Je vais aller par où ? Bonjour, Nash. Ah, mon dieu. Nashman. Non, j'ai dit, il s'est détaché. J'ai pas dit qu'il a pété. Bonjour Nash. Enfin, bonsoir plutôt. Hé, hey, tu veux quoi Régis ? Tu veux pas que je fais du golf ? Oui. Comment que ça va Nash ? Mais comment que c'est par chez toi ? Mais bienvenue, je ne le fais pas par esprit. Il y a des bons joueurs comme Poupon. Oh non, je me suis fait laminer. Oh c'est honteux, c'est honteux. Quand je vais avancer un peu, comme ça je vais y aller avec prudence. Prudence et ma meilleure amie. Oh non, j'ai... Ah. Ouais, ça va bien. Bon, mon épée nord, merci, c'est le week-end, écoute. On va pas se plaindre. Ceux qui disent bonjour, en général, c'est sont ceux qui vont à la piscine. Bonjour. Parce qu'ils prennent après le bonjour. Ah bah, ça, oui. Tu vas par là, ok, je perds comme toi. Ah, oh, les salles de serveur. C'est ça. Oh, je suis devant, trop fort. J'aurais pu voir s'il y a des jeux de golf sur Golf pour le jeu. Bah, c'est fort possible. S'il y a Golf Video Fan, on est obligé à l'acheter. Oh, c'est dommage. Okay. Vous me l'achetez, moi. Je... Voilà, on va basculer sur le Your Friend le temps que Twin Sen s'en sort. Sortons. Alors, oui, parce qu'il faut que je change de catégorie, moi.